Coucou à tout le monde. Aujourd'hui, c'est la finale de la CAN qui a été très sucrée. Alors, je vais vous donner mon pronostic de cette soirée et je vais vous donner mes avantages et mes inconvénients de la CAN 2021 au Cameroun. Écoutez, cette vidéo est pour vous dire ce que j'ai vécu lors de la CAN. Et peut-être vous avez aussi vécu beaucoup de moments forts. Alors, vous allez les laisser en commentaire. Vous allez me dire si ma vidéo vous a plu ou pas en commentaire. Alors, je vous attends. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Eh bien. Alors, c'est la fin de la CAN qui a été tellement sucrée, qui a nous a donné beaucoup de sensations. De joie, de tristesse et après de joie, donc ça a été un peu mélangé de piment et après un peu du sucre et ensuite, donc ça a été tellement mélangé que, waouh, on a vécu vraiment quelque chose de très fort. On a mis nos organes, on a mis notre cœur et nous sommes fiers des Camerounais, nous sommes fiers de l'équipe des Lions Indomptables du Cameroun. Alors, je ne vais pas parler de la défaite parce que pour nous, on a réussi là où beaucoup ont échoué. On a réussi à prendre la troisième place. Oh, nous sommes tombés, mais nous ne sommes pas morts. Nous sommes tombés, nous nous sommes relevés et nous avons combattu. Et maintenant, je suis contente de ce que les Lions Indomptables ont fourni au Burkina Faso. Alors, c'était un ouf. Ah, 3 0 et après 98 minutes, nous on relève la pente et on gagne. Waouh! Les lions, vous êtes vraiment des lions féroces quand vous vous fâchez. Oh là là, ça tremble. J'adore cette adrénaline. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, aujourd'hui, moi je vais parler de ce que j'ai vécu lors de la CAN, parce que j'étais présente au stade d'Olembé. Voilà la vidéo. Sabina commando, fireman. I know it can tame with your love. Let's be your bodyguard, fireman. Cole, sere for this love. Ejika, 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 ejika. Ejika, ejika. Who stand blur? A double conjure. Shabasiko. À l'occasion de la CAN Total Énergie 2021. Je vis en Allemagne. Je suis jeune créatrice entrepreneuse. Alors, je crée mes propres designs. J'ai créé le maillot qui est sur moi actuellement avec toute cette beauté du Cameroun. Ce sont des symboles qui représentent nos cher et beau pays, le Cameroun. Alors, c'est avec la marque, l'incontournable, la puissance. Si vous voyez la puissance, alors n'hésitez pas, parce que vous, là, vous et moi, vous êtes puissants. Vous avez une force incroyable en vous. Vous voyez, la puissance, c'est comme cette troisième place que les Lions Indomptables ont vaincu avec bravoure. Vous voyez, la puissance est cachée. Vous croyez que vous allez perdre. Vous avez eu 3-0. Vous êtes affaibli sur le sol. Vous n'avez plus de force. Et là, c'est où vient une énergie. Une énergie comme, pas comme les autres. On ne sait pas où ça vient. On sait d'où ça vient.
Mais ça vous met là un coup à l'intérieur. Pam! Et là, vous vous levez. Vous mettez un but, deux buts, trois buts. Vous égalisez. Vous partez au tir au but. Et vous les mettez à l'intérieur des filets. Ah oui. Et vous sortez vainqueur. C'est ça la puissance. Ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner. C'est ça la puissance. La puissance, il est en chacun de nous. Chaque être humain a cette puissance en lui. C'est à vous de croire en vous. Croyez en vous comme les lions indomptables ont cru en eux. Et vous verrez de vos propres yeux ce que vous êtes capable de faire. Alors, mes chers frères, One Love, ne restez jamais au sol. Levez-vous et montrez de quoi vous êtes capable. Vous êtes capable de beaucoup de choses. Ça, c'est un conseil. Chaque jour est une nouvelle chance d'écrire une nouvelle histoire de sa vie. Mes avantages et mes inconvénients de la CAN 2021 au Cameroun. Pour moi, la CAN était vraiment sucrée. La CAN était sucrée, on a eu de l'émotion, on a eu des bons moments, on a eu tout ce qui allait dans le bon ressenti, ça a été, on a eu des moments forts, on a eu des moments de joie et des moments de peine lors des défaites. Mais ce que moi je vais plus attirer l'attention, c'est que vraiment j'ai été pas satisfaite du fait que pour les organisateurs qui ont mis plus les budgets, les gros budgets pour les investisseurs étrangers, pour les Français qui sont venus implanter leur entreprise dans notre pays, tout en oubliant les producteurs locaux, alors en oubliant les Camerounais eux-mêmes qui savent faire quelque chose. On n'a pas eu à mettre vraiment du sérieux dedans. Ils ont pu se confier ça aux Blancs. Moi, ce qui m'a par exemple surprise, c'est que au moins la chorégraphie de l'ouverture de la CAN soit donnée à un Français ou à une Française qui vienne nous apprendre à danser quand même. Nous Camerounais, on peut tout nous prendre, mais pas la danse. Quand même, la danse, on peut tout nous prendre. Vraiment, on peut tout nous prendre, mais pas la danse. Pas qu'on vient nous apprendre à danser. Vraiment. C'est ça qui m'a vraiment écœurée. Et je profite par là pour lancer un cri de détresse à toutes les autorités, à tous les organes compétents de pouvoir plus faire confiance à la production locale, faire plus confiance aux Camerounais, que ce soit les Camerounais eux-mêmes qui puissent gérer leurs propres finances ou alors leurs propres trucs. Donc, qu'on ne puisse plus les confier toujours aux étrangers, pourtant il y en a les Camerounais qui sont capables de faire mieux. Par exemple, je prends l'exemple de moi, créatrice, je peux créer et fait les designs des tenues de sport, de tout ce qui vient, qui a créé à l'habillement. Voilà. Mais pourquoi faire confiance à Corps Sportif alors de faire confiance à la marque La Puissance? Pourquoi? Donc, ce sont des questions comme ça que je me pose et que vraiment, il faudrait que je lance un coup d'appel au président de la FECAFOOT, Samuel Itofis, de pouvoir vraiment prendre ça au sérieux, de pouvoir prendre les génies qui sont sur place et les aider à pouvoir créer leur propre entreprise. Je félicite déjà en passant Samuel Eto'o pour ce brave coup de main qu'il a lancé à cette dame aveugle qui fait dans le tissage des sacs et autres petits accessoires. Voilà, de ne pas lâcher, de ne pas faire une aide qui soit effermée, une aide pour quelque temps et puis on n'entend plus parler. Vraiment,
d'aider cette dame à pouvoir créer sa propre entreprise et à pouvoir embaucher des personnes handicapées comme elle pour pouvoir travailler avec elle et puis que cette entreprise puisse faire grandir et naître d'autres entreprises aux alentours. Vraiment, ça sera ça qu'on aura bénéficié de cette Camerounaise. Pas de l'aider pour aujourd'hui et puis demain, on n'entend plus parler. Vraiment, je prie à toutes les autorités, aux chefs de l'État, à tous ceux-là qui sont voilà, compétents de pouvoir gérer cette situation, de pouvoir vraiment faire confiance aux Camerounais, de pouvoir donner certaines responsabilités aux Camerounais. Moi, mes pronostics, c'est que le Sénégal remporte cette CAN avec 2-1 en faveur du Sénégal, bien sûr. Ça veut dire que pour moi, ma faveur se tend vers le Sénégal. Pourquoi? Parce que le Sénégal, c'est un pays frère du Cameroun. C'est un pays que j'adore, c'est un pays que j'aime bien particulièrement. C'est pour ça que je vote pour le Sénégal. Et vous, laissez-moi un commentaire. Quels sont vos pronostics de la finale de la CAN d'Afrique des Nations Total Énergie 2021? Quel est ton pronostic? Laisse-moi un commentaire et surtout abonne-toi à ma page YouTube pour plusieurs autres belles vidéos. Au revoir! Le bon d'Amador!